Bienvenue à votre émission Coffre aux idées. Nous voilà à la leçon numéro 3. Nous continuons à découvrir le Saint-Esprit. Nous espérons qu'au cours de cette semaine, vous avez pu bien réfléchir sur le Saint-Esprit, comment il agit en vous, et que vous commencez à sentir son influence. Aujourd'hui, nous avons avec nous sur le plateau Jessica, Maëlle, Carole et Emeline. Nous allons demander à Jessica de nous faire la prière avant de commencer notre discussion. Notre Père Céleste, merci de nous avoir permis de passer une bonne semaine sous ton égide, Seigneur. Nous voilà en cet instant afin d'attaquer une nouvelle leçon. Nous te remercions aussi pour toutes ces leçons qui nous permettent de nous réajuster au niveau de notre comportement. Seigneur, aide-nous et interviens afin que ton Saint-Esprit agisse en nous, afin que nous comprenions cette leçon, Seigneur. Nous prions pour tout un chacun, au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. 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 Pour commencer, nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire 2 Corinthiens 13, verset 14. 2 Corinthiens 13, verset 14. 2 Corinthiens 13, verset 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir la divinité du Saint-Esprit. Connaissez-vous ce qu'on appelle GPS? Bien sûr, oui. Ça sert à quoi, GPS? Analyser la position. Lorsque vous tapez l'adresse du GPS pour vous guider là où vous voulez aller, est-ce que vous écoutez vraiment ce que le GPS vous dit? Non. Sincèrement. Vous connaissez pas l'endroit? En France, moi, je ne connais pas, c'est pas chez moi, je ne connais pas le chemin, donc j'étais obligée d'écouter ce que GPS me dit pour que je puisse être sûre d'arriver à destination, puisque si je ne m'écoute pas même, je ne vais pas arriver. Alors, le GPS donne quoi comme indication? À gauche, à droite, devant, tout. Ça donne les détails concernant le positionnement, mais à condition que le GPS soit lié correctement. Voilà. Au satellite. Tout à fait. Il parce est que lié... s'il n'y a pas de liaison, nous on n'a pas de direction. Donc, lorsqu'il c'est est lié, avec Dieu et lorsque le tout est lié, le GPS nous dit d'aller tel endroit, là. Qu'est-ce que nous faisons? Si nous dit de tourner à gauche, est-ce que je vais tourner à droite? On est obligé de suivre. Avant de tourner à gauche ou à droite, moi je regarde les panneaux. Tu regardes peut-être les panneaux, mais il n'y a pas de panneaux. Il n'y a pas de panneaux, il n'y a rien. Non, non, tu es en pleine campagne, il n'y a rien. C'est le GPS qui te guide et il faut arriver à un point précis. Je vais demander à quelqu'un. Il n'y a personne. Ah, moi, j'ai dit que sinon, ça sert à quoi d'avoir le GPS? Donc, tu ne fais pas confiance à ton GPS. Je préfère avoir confiance en ce que je vois. Le Saint-Esprit peut être comparé au GPS. Le GPS, il nous donne des indications pour aller à un endroit que nous ne connaissons pas et nous ne connaissons pas l'environnement où nous sommes. Lorsqu'il nous dit de tourner à gauche, est-ce que je tourne à droite? Non, on va tourner. Lorsqu'il dit aller tout droit, 200 mètres, il faudra tourner à droite et il y aura une courbe ou un cône à gauche. Qu'est-ce que je fais? On obéit. Okay. On obéit et grâce au GPS, on arrive à bon port, à l'endroit et on est bien content d'être là. Le Saint-Esprit peut être comparé à un GPS. C'est-à-dire là pour nous guider. Nous dire quel choix faire, quel choix ne pas faire. Oui, il faut aller tout droit, oui, il faut attendre, oui, il faut... C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Et lorsqu'on est bien guidé par le Saint-Esprit, on est content, n'est-ce pas? Lorsqu'on fait de bons choix, on est heureux. Ah oui, l'Esprit de Dieu m'a guidé et nous sommes contents et nous remercions Dieu d'être là, qui nous a préservé du danger. Des fois, ça nous arrive tous. Nous allons à tel endroit et puis il y a une voix qui nous dit non, n'y va pas, non, c'est pas encore le moment. Et puis, le lendemain, on réalise, on entend des informations que si on avait été là, il y avait tel accident, telle chose, et nous remercions Dieu, nous sommes contents. Eh bien, c'est le Saint-Esprit, c'est comme le GPS, il nous guide, nous dit ce qu'il faut faire. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y a différents esprits. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Et c'est comme le GPS. Lorsque le GPS arrive dans une zone où il n'y a pas de contact avec le satellite, qu'est-ce qui se passe? Alors, des fois, il ne vous donne pas d'informations. Voilà. Ou des fois, il vous dirige dans un mauvais endroit. Il est déjà arrivé à des personnes d'utiliser le GPS
il tapait tranquillement et il suivait de manière instinctive le GPS, normalement. Et ils se sont retrouvés en pleine campagne, dans un lieu perdu, qui était à l'opposé de là où ils étaient. D'où les panneaux. Et pourtant, c'est les panneaux. Problème de connexion. De connexion. Tout ça, c'est pour nous dire que nous devons avoir le bon esprit pour nous diriger. Oui, voilà, Carole. C'est ça. Parce que c'est ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, le Saint-Esprit est un GPS fiable, oui. Mais comme il y a différents esprits, on doit toujours comparer. Et c'est là qu'on peut prendre l'exemple de ce que disait Jessica concernant les panneaux. Nos panneaux, en fait, c'est la parole de Dieu. Donc, toujours à l'aune de la parole de Dieu, toujours comparer et voir si c'est un esprit correct, si c'est le Saint-Esprit qui me dirige. Puisque comment c'est que Dieu ne se contredit pas? Si, justement, ce qui m'est inspiré ne correspond pas à la parole de Dieu, alors je sais bien que ce n'est pas la bonne direction. Et je reviens. Comment ça, il y a plusieurs esprits? C'est quoi les autres esprits, alors? On va en discuter. Je reviens juste sur l'exemple de Jessica. C'est vrai. Si je tape cet esprit, si je tape sur mon GPS, je vais arriver à un point précis. Et le panneau, j'arrive à un carrefour, le GPS me dit d'aller à droite et le panneau de la commune où je veux aller me dit à gauche. Qu'est-ce que je vais suivre? Le panneau. Le panneau est plus fiable. Puisque le panneau représente la parole de Dieu. Et tout ça, c'est pour nous dire qu'il y a différents esprits. Et nous allons en discuter maintenant. Ouvrons nos Bibles dans Exode 28, verset 3. Exode 28, verset 3. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Tout à fait. Là, nous voyons en action l'esprit agir. Dans ce passage, là, dans cette partie-là, on pourrait qualifier que nous avons à faire face à un esprit de sagesse. Oui, parce que en fait, l'esprit dans le sens de d'inspiration et des dons et des talents. Tout à fait. Puisque là, on comprend bien que c'est pour, il dit bien, tu parleras à tous ceux qui sont habiles, mm-hmm. à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Donc, en fait, c'est un don de Dieu, ça fait partie des dons. Nous parce qu'on parle des dons de l'esprit, des dons et des talents, et donc ça fait partie des dons. Mm-hmm. Puisque l'Éternel, on a bien vu, a donné, a accordé des dons et des talents à chacun. Et pour chaque chose qu'il avait à faire, quand il a eu la construction du temple aussi, il a accordé son esprit, il a bien dit, oui, tu vas t'adresser à un tel et tel à qui j'ai permis d'avoir différents dons dans différents ouvrages. Tout à fait. Donc à chaque fois, l'Éternel a accordé des dons et des talents à chacun. Tout à fait. Et là, c'est un esprit de sagesse qui a été donné, qui ne va pas en contradiction avec la parole de Dieu. Donc, il n'y a pas de problème. Mais voyons un autre exemple. Dans Nombre 5, verset 14. Nombre 5, verset 14. Alors, Nombre 5, verset 14. Et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui ne s'est point souillée. Alors là, on entend parler d'esprit de jalousie. Surprenant. Oui ou non? Alors, pouvons-nous dire que c'est quelque chose de positif ou de négatif? Négatif. Pourquoi? La jalousie, c'est négatif. Dans le cas où sa femme est... On peut avoir de mauvais esprits. Il y a de mauvais esprits et de bons esprits. Mm-hmm. De même que... Il ne faut pas oublier que nous sommes toujours dans ce grand conflit cosmique. Donc, il y a forcément... de bon côté, mm-hmm. et il y a forcément de mauvais côté. Le malin continue quand même à inspirer aux hommes à faire tout et n'importe quoi. On le voit encore aujourd'hui avec tout ce qui se passe autour de nous. On entend les nouvelles. Quand je tue mon prochain, quand j'abuse de mon prochain, quand je fais de mauvaises choses, quand j'ai des réactions qui sont négatives, qui vont à l'encontre des œuvres de l'esprit et qui correspondent toujours aux œuvres de la chair, ben, ce sont de mauvais esprits qui m'inspirent. Qu'est-ce qui inspire quelqu'un à aller tuer des gens comme ça gratuitement? Ça ne peut pas être l'Esprit de Dieu. Puisque Dieu est amour, donc je suis appelée à aimer mon prochain. Et donc, c'est la même chose. On peut avoir de mauvais esprits, des choses qui nous induisent en erreur,
Mais justement, notre objectif, c'est de demander à Dieu de toujours avoir son Saint-Esprit pour faire les bons choix. Mais faisons un petit point sur qu'est-ce qu'un esprit. Parce que parfois, je pense que le mot esprit peut porter à confusion c'est dans le sens surnaturel. Ce sont pas des fantômes, mais d'après ce que tu, d'après ce qu'on comprend, esprit, c'est inspiration. Avoir l'idée de faire un truc mauvais, ou bien, c'est ça. Voilà, inspiration à faire, à propension à faire quelque chose. Mmh. Voilà, soit d'accord. Bien, soit mal, en fait. Soit bien, soit mal. C'est pas esprit dans le sens des fantômes ou ce qu'on entend dans l'ésotérisme, c'est pas ça. C'est vraiment ce choix, en fait. Mmh. Le bon côté et le mauvais côté. Qu'est-ce qui m'inspire? Ma conscience, elle va dans quel sens? Est-ce que ma conscience me pousse à faire des choses bonnes ou est-ce que ma conscience me pousse à faire des choses mauvaises? C'est ça, en fait, l'idée. D'accord. Et dans tout ça, dans tout ce que nous voyons, et il y en a plusieurs, s'il fallait prendre des exemples, on ne terminerait pas. Mais dans tout ça, pour faire comprendre que l'esprit agit en nous par rapport à ce que nous avons décidé. Je m'explique. Si nous avons décidé d'étudier la parole de Dieu, faire l'étude de la parole de Dieu, nous serons sous l'influence du Saint-Esprit pour pouvoir faire le bien, ce qui est dit dans la parole. Mais si je prends l'habitude d'écouter... Quoi? L'habitude. Mais si je prends l'habitude d'écouter de mauvaises musiques, avoir de mauvaises lectures, quel esprit qui va me guider? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend de ce que nous avons décidé. Juste pour dire ce qu'on disait la semaine dernière, l'esprit ne force personne, mais l'esprit nous guide. Et comme nous voyons qu'il y a plusieurs esprits, si j'ai décidé de me mettre du mauvais côté, d'avoir de mauvaises lectures, d'avoir de la mauvaise musique, d'être sous une mauvaise influence, je serai dirigé par un esprit négatif. Un mauvais GPS. Un mauvais GPS, en quelque sorte. Et j'irai à ma perte. Donc tout ceci pour dire qu'il est bon que nous prenions l'habitude d'étudier la parole de Dieu, de prendre le temps d'étudier sa parole, afin que nous soyons vraiment dirigés par le bon esprit. D'accord. Mais une question me vient. Le Saint-Esprit est-il Dieu? Oui, mais bien sûr. Vous êtes convaincu de ça? Bien sûr. Oui. Et nous avons l'exemple dans Acte 5, les versets 1 à 4. Acte 5, versets 1 à 4. T'as trouvé? Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Là, nous voyons Pierre parler à Ananias. Et il parle sous quelle inspiration? Du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a indiqué à Pierre. C'est bien vrai que le Saint-Esprit a indiqué à Pierre. Mais ma question est, pourquoi Pierre dit-il à Ananias, as-tu menti au Saint-Esprit? Parce que peut-être que le Saint-Esprit, justement, s'est manifesté, puis il a fait comme si il ne l'a pas entendu et a laissé, justement, le mauvais penchant prendre le dessus. Mm-hmm. Oui, parce qu'il lui dit bien, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Donc, on voit bien, comme on disait tout à l'heure, ces histoires de bon GPS, mauvais GPS. Le diable, lui aussi, peut agir dans notre esprit. Si nous le laissons faire, il a lui aussi ses directions à nous donner. Et si nous le laissons diriger nos vies, eh bien, il va nous mener comme ce qu'il a fait à Ananias. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il avait cette chance de pouvoir être honnête, il a préféré être malhonnête. Et donc, Pierre lui fait bien comprendre que ce n'est pas, il lui dit, ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc, c'est la preuve pour répondre à la question. Tu disais, le Saint-Esprit est-il Dieu? Ben oui,
Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Mais à Dieu, tout à fait. Donc, ça montre bien que l'Esprit de Dieu, oui, c'est Dieu. Donc, on doit faire attention à ne pas avoir des comportements et péchés contre, justement, Dieu lui-même, oui, en péchant contre l'Esprit. Parce que dans l'histoire, Ananias savait ce qu'il devait faire. Mais bien sûr. Mais il s'est laissé influencer par Satan pour pouvoir mentir à Dieu sur l'action qu'il avait faite. Et tout ceci pour montrer que nous sommes dans un conflit, et nous l'avons déjà vu et nous l'avons vu dans les trimestres derniers, où il y a le bien et le mal, et qu'il n'y a pas de voie au milieu. Donc, notre mission, c'est de nous laisser influencer par Dieu. Et nous découvrons que le Saint-Esprit, lui, il a des attributs divins. Prenons par exemple le psaume 139, verset 7. Psaume 139, verset 7. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Tout à fait. Tout à fait. Et nous voyons ces attributs. Et l'attribut divin de cet esprit, c'est d'être partout. Partout à la fois, c'est-à-dire omniprésent, omniscient et omnipotent. Et normalement, ces attributs sont décernés à qui? À Dieu. À Dieu. Tout ceci pour nous montrer que le Saint-Esprit fait partie. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est là. Donc, nous devons être convaincus de cela, que le Saint-Esprit, certes, des fois c'est compliqué de comprendre trois personnes, ça, mais nous devons simplement comprendre que le Saint-Esprit fait partie de cette Trinité, fait partie de la divinité, afin de nous permettre de pouvoir comprendre qui est Dieu par sa parole. Et puis, ne pas oublier que le Saint-Esprit voit tout. Voilà. Le Saint-Esprit est partout et voit tout, parce qu'il dit « Où irai-je loin de ton esprit ?» Donc, ça veut dire aussi que lorsqu'on a l'impression qu'on fait des petites choses en secret, avec Dieu, il n'y a pas de secret. Voilà. Et lorsque je sais ça, lorsque je sais que le Saint-Esprit voit tout ce que je fais, j'adopte un comportement qui va avec. Rien n'est caché. Peut-être vous ne voyez pas ce que je fais, mais le Saint-Esprit, lui, il voit ce que je fais. Et lorsque j'ai compris ça, ma vie est transformée parce que je veux être sauvé. Et c'est le souhait, et c'est mon souhait pour vous, pour chaque jeune, comprendre que le Saint-Esprit est là pour nous aider malgré nos difficultés de la vie. Il est là pour nous faire comprendre que Dieu est amour et qu'il est prêt à nous pardonner si nous nous laissons diriger par lui. Et c'est ça la mission de cet esprit. Et une chose, l'autre aspect, je dirais, de cet esprit, c'est que l'esprit, l'esprit saint est un esprit de vérité. Il ne contredit pas la parole de Dieu, mais aussi, c'est un esprit de consolateur. Non, de consolation. Non. Et aussi, c'est un esprit de consolation. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde de souffrance, oui ou non? Nous entendons chaque jour des catastrophes. Nous sommes des fois attaqués de nulle part, comme Job, nous l'avons vu le trimestre dernier. Et le Saint-Esprit est là pour nous faire. Et le Saint-Esprit est là pour nous apporter cette consolation. Comprendre que Dieu est amour. Que Dieu est là. Que Dieu est là. Malgré nos difficultés. Et ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Je vais juste vous lire ce paragraphe. Vous devez comprendre. Bien qu'il existe de nombreuses sortes d'esprits, ces esprits, excepté le Saint-Esprit, ne possèdent pas les attributs divins distinguant Dieu de tous les autres. Dieu est le Père de tous les bons esprits. Cependant, aucun esprit n'existe si ce n'est par la volonté et la permission de Dieu le Père. De la même manière que tous les pécheurs existent par la volonté et la permission de Dieu, cependant, tout comme une personne peut être identifiée par son ADN et ses empreintes digitales, le Saint-Esprit peut être identifié en tant que vrai Dieu par ses attributs divins et la position qu'il occupe. Amen. Et nous devons être convaincus de cela. Il est important que nous puissions chercher le Saint-Esprit activement. Pourquoi, pensez-vous? C'est vrai que près de Dieu, sans le Saint-Esprit qui nous dirige à revenir à lui, on n'aura pas cette constance à être auprès de lui, en fait. Enfin, connecté à lui, plutôt dire. Parce que, effectivement, le Saint-Esprit est un élément crucial, nécessaire, obligatoire pour qu'on puisse rester dans le camp de Dieu. Si on n'a pas l'Esprit Saint,
ça ne va pas être possible, puisque les œuvres de la chair, on l'a vu, ne sont pas compatibles avec les œuvres de l'esprit. Donc, pour pouvoir avoir les œuvres de l'esprit en nous et toujours garder cette... garder la direction, la bonne direction vers cette perfection, mm-hmm. voilà, ben, il nous faut le Saint-Esprit. Donc, nous devons effectivement le demander afin qu'il puisse constamment nous guider. Oui, constamment nous guider. Prions, étudions la Bible, cherchons de tout notre cœur la volonté de Dieu pour nous. Alors le Saint-Esprit, l'enseignant, nous guidera et nous poussera à faire le mille supplémentaire. L'heure est venue de le mettre à l'épreuve. Êtes-vous prêt à mettre le Saint-Esprit à l'épreuve? Êtes-vous prêt, chers téléspectateurs, à mettre le Saint-Esprit à l'épreuve? Cette semaine, n'hésitez pas, mettez-le à l'épreuve. Et vous allez découvrir des choses magnifiques. Et vous ferez une expérience formidable au cours de cette semaine en découvrant que le Saint-Esprit fait partie de la divinité.